allez campeón, allez campeón, allez campeón, allez campeón, allez campeón. Amigo vas a encontrar, era malo, te leo Messi, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, no puedes ni cantar, era bueno, la vamos a dar, vení, vení, canta conmigo. La copa está allá, ustedes no Salam à tous, un grand merci à ceux qui s'abonnent de la championne, ça fait plaisir. Donc voilà, l'Argentine est championne du monde, hein, donc on a pu voir dans ces images-là, c'est incroyable en fait, Lionel Messi, je pense que je ne l'ai jamais vu aussi heureux en fait, c'est un truc de malade. C'est-à-dire en fait, ce trophée, il voulait la gagner à tout prix en fait, cette Coupe du Monde, donc il a tout donné, c'est un truc de malade. Donc moi je trouve que on dit que la Ligue des Champions, c'est la plus belle des compétitions, mais la Coupe du Monde, c'est autre chose en fait, il n'y a qu'à voir la différence quand il avait gagné la Copa. Certes, il était très content, il était voilà, ému, tout ça. Pareil, parce que ça fait des années et des années qu'il attendait cette consécration. Mais là, c'est dingue, en fait, ce qu'il a fait. Donc, voilà, avec la Coupe du Monde, laisse tomber. Messi, il dort avec, frère, il va aux toilettes avec, il se balade avec, il fait tout avec. C'est incroyable, en fait, il ne faut pas la lâcher. C'est-à-dire, cette Coupe du Monde, en fait, c'est l'aboutissement d'une carrière. Donc, voilà, Lionel Messi, comme je l'ai dit, il n'y a pas que lui. Hein. De toute façon, gagner une Coupe du Monde, c'est spécial. Parce que voilà, tu joues avec ton pays, tu rencontres les meilleurs pays du monde, en fait. C'est le monde entier qui te regarde. C'est la plus belle des compétitions, tu vois. Ça n'a pas de prix. Et cette Coupe du Monde, en fait, comme je l'ai dit, Messi, il en a rêvé. Donc, quoi de mieux que de finir, tu vois, de gagner une Coupe du Monde en fin de carrière. Voilà, quand tu finis ta carrière avec ça, là, il n'y a pas mieux. Tu ne peux pas espérer mieux. Je trouve que voilà, la finale, l'Argentine, ils méritent de gagner quand tu regardes l'ensemble du match. L'équipe de France, ils se sont réveillés à partir de la 80e minute de jeu. Rendez-vous compte, en fait, l'équipe de France n'avait pas frappé au but jusqu'à la 65e minute, je crois, ou 70. Ça, c'est grave, en fait, quand tu t'appelles l'équipe de France, tu vois. Et il y a des gens qui disent que l'Argentine, je sais pas, ils ont été en mode aidé par l'arbitrage. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que quand tu regardes les pénaltys, ils étaient à peu près tous litigés. Le dernier pénalty de la France, on en parle. Hein. Le Barça, on a eu je sais pas combien cette saison. Ça n'a jamais été sifflé. Et là, je trouve que les joueurs de l'équipe de France, je sais pas, ils s'occupent plus. Enfin, le staff, en tout cas, des Bleus, ils s'occupent plus des réseaux sociaux que de préparer le match face à l'Argentine. Tu vois, notamment en interdisant certains joueurs de l'équipe de France de liker des photos de Benzema sur Instagram. Ça, c'est grave. Ça, j'ai jamais vu ça. Quoi. C'est une dinguerie. Donc voilà. Et l'Argentine, d'entrée de jeu, ils ont mis la pression, ils ont tout fait. Et moi, je trouve, comme je l'ai dit, il n'y a rien à dire en fait, c'est mérité. Quand on parle d'erreur d'arbitrage, la France contre le Maroc, il y a eu des pénaltys non sifflés, personne n'en a parlé. Contre l'Angleterre, pareil, l'arbitrage a été favorable à la France. Et voilà, c'est le football en fait. De toute façon, les arbitres, ils ne sont pas parfaits, c'est des humains. Donc voilà quoi. Et l'Argentine, ils ont tout donné. C'était comme des chiens sur le terrain, ils méritaient. Le débat The GOAT, frère! Ça y est, Messi, il a mis fin. Il y en a, en fait, ils avaient besoin de cette Coupe du Monde parce qu'à chaque fois, ils disaient « Ouais, Messi n'avait jamais gagné un trophée avec son pays. » Il gagne la Copa. « Ah, ben c'est contre des Bolivies, machin. » Ils sont bêtes. Là, il gagne la Coupe du Monde. Ils disaient « Ah, mais la Coupe du Monde ne fait pas de toi le GOAT. » N'importe quoi, frère. Il faut savoir à un moment donné, tu vois. À chaque fois qu'il parle, Messi, il les fait taire. Moi, je trouve que c'est une dinguerie ce qu'a fait Messi et il faut le respecter. Ronaldo aussi, je le respecte. C'est des légendes du football, tu vois. Et Messi, en plus, il a remporté la Coupe du Monde, mais il a été bon aussi. Hein. C'était le meilleur. À chaque fois, il tirait son équipe vers le haut. C'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à ce tableau.